Endymion est nu, endormi sous un platane, pendant que son fidèle chien repose à ses pieds. Zéphyr, d'un air malicieux, déplace le feuillage de l'arbre pour permettre à Diane d'embrasser le jeune homme dont elle s'est éprise. La chaste déesse se manifeste sous la forme d'un rayon de lumière vaporeuse avec lequel elle semble enlever Endymion. Selon la légende, en effet, chaque nuit, la déesse serait allée le contempler sous sa forme lunaire et l'embrasser avec sa lumière pâle. L'œuvre semble emprunter la grâce des Cupidons de Bronzino ou l'effet vaporeux du Corrège. Le véritable protagoniste de l'œuvre est l'effet mystérieux et irréel de la lumière, qui appartient à une sensibilité artistique nouvelle et qui écarte délibérément Girodet de la peinture d'histoire du contemporain David.